quel talent. Efficace, hein. Ouais, faut en mettre bien. Bien. Ouais. Bravo. Quand ça sèche, ça devient beaucoup plus opaque. Ouais. Alors aujourd'hui, les déboulonneurs, on est réunis devant un panneau ASL. C'est un panneau à cristaux liquides, un peu comme nos télévisions, qui consomme énormément, l'équivalent à peu près de 2 foyers annuels en électricité. Notre vie, c'est la préservation du climat, c'est jouir du temps présent tout simplement, mais sans forcément avec des choses qu'on va acheter à droite ou à gauche. La vie, c'est faire autre chose que d'acheter. Le problème de ces panneaux, c'est leur taille, leur multiplication dans l'espace public. Et le gros souci, c'est la liberté de réception pour les citoyens, puisque là, il y a une vraie pollution visuelle et malheureusement, hormis fermer les yeux avec tous les risques que ça comporte sur la voie publique, on est vraiment agressé en permanence par tous ces panneaux, leur énormité et puis maintenant leur luminosité, puisque on est face à des panneaux d'une nouvelle génération, type écran de télé, c'est insupportable. Donc voilà, donc le combat continue, barbouillage, barbouillage. Oui.